Administratif, et je vous le confesse, de croire qu'ils allaient en effet réussir ce magnifique projet. Quel géant pour Bouvigny! Alors ils ont fait un choix, disent-ils, parce que notre ami Canuyer leur aurait donné un petit conseil. Alors bien sûr, Benjamin de Neubourg, c'est le premier vétérinaire, semble-t-il, de la région, mais il était surtout aussi maréchal ferrant. Et il naquit il y a quelques maisons plus loin, là-bas, sur les bords du marais. Alors Bouvigny a toujours eu, en effet, une grande ferveur et des gens qui ont compté. Récemment, nous avons eu, en effet, un bourgmestre qui fut président et ministre, vice-premier ministre. Nous avons eu, à un moment donné, deux échevins. Et nous avons encore aujourd'hui, en effet, le bourgmestre que je suis et que vous avez bien voulu, en effet, élire il y a quelques années. Mais je dois vous dire que j'appuie fermement ces manifestations. Et chaque fois qu'on vient frapper à la porte de la ville, je convie le collège et le conseil et les autorités à prendre en effet en considération toutes ces démarches. Parce qu'elles réunissent un peuple sain que le monde travaille. C'est de trouver non seulement les fêtes de voisins, mais c'est aussi de trouver ces réjouissances comme celles que vous avez vécues pour Sortilège au château et convivez aujourd'hui plus humblement avec, semble-t-il, 18 géants. Soyez en tout cas marraine, parrain, parent, membre du comité, au nom de la population atoise et de bien plus loin d'ailleurs, j'ai entendu que les Lessinois avaient également porté un peu leur concours. Ce qui traduit les effets de ce que j'appelle le Val de Dendre, c'est que les communes qui sont le long de la Dendre doivent unir leurs forces par ces moments et faire en sorte qu'elles puissent offrir des projets comme cela à un géant comme celui que nous allons découvrir et celles et ceux qui parcourent tous nos villages, nos faubourgs et aussi les villes et communes. Est-ce qu'on est prêt? Non. Allez Philippe, tu ne veux pas le bleu, tu veux vraiment le rouge. 1, 2, 3. Doucement.